星期。Vous avez la ref ou pas? C'est sur TikTok. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas fait parce que c'est un haul et c'est moi qui ai acheté. Ce n'est pas une collaboration. Énorme commande, donc énorme. J'en ai eu pour 170€. Ça vous perturbe pas, qui est mon reflet derrière. On va voir ce que ça va donner. J'ai très peur parce que j'ai jamais commandé sur Shein. J'ai déjà commandé chez Zaful 3 fois, plus 2 fois des collaborations, dont une qui doit arriver très bientôt. J'ai très hâte. J'ai déjà commandé chez Romui, mais je n'ai jamais commandé sur Shein. Donc on va voir ce que ça va donner. Les gars, j'ai trouvé le moyen d'acheter des plantes sur Shein. Faut vraiment que j'arrête. Trop de plastique. J'ai abusé. J'ai pris beaucoup de choses. En fait, c'est que c'est tellement pas cher que ça va trop vite. Oh oui. Ok. J'ai pris ce petit haut. Donc, c'est tout simplement un bandeau comme ça. En taille S. Ok. Voilà pour le premier haut. Il a l'air un petit peu transparent. Oui, il est transparent. Il va être transparent sans soutif celui-là. J'adore le rendu, j'adore. Moi, je porte souvent des t-shirts courts, mais j'aime bien parce que c'est pas un court qui est très court. Je suis sûre, j'ai pris des crop tops comme ça. Et ça, j'aime pas parce qu'on voit cet espace de mon ventre que je trouve pas beau. Mais comme ça, ça va. Donc, premier achat validé. Mais je pense un petit peu transparent. On va passer au deuxième. Celui-là, je me rappelle. C'est un body. Donc, c'est un body violet. Donc, alors, à savoir, j'ai failli pas le prendre. Parce que les manches ne sont pas réglables et dès que c'est pas réglable, ça pose souci parce que ça peut pas aller à tout le monde. Donc celui-là, je comptais le porter sans soutif. Donc je vais essayer sans soutif parce que un body comme ça avec un soutif, ça va pas du tout. Et on va voir. Ok, on n'est pas surpris, c'est totalement transparent. Pour moi, c'est pas choquant. Je pourrais sortir comme ça dans la rue, c'est pas une chose qui, moi, ça me choque. Ça risque de choquer des gens. Mais il est super beau, à savoir, c'est pile poil la taille et c'est un peu élastique. Mais j'adore, je suis trop fan, vraiment. Rien à dire. La qualité, elle est super agréable. J'adore. On va passer à un produit que je n'ai pas pu résister. Et je l'ai pris en 3 couleurs. Donc je l'ai pris en rouge, je l'ai pris en vert et je l'ai pris en blanc. Donc en gros, si la qualité c'est de la merde, je me fais avoir sur 3 produits à la fois. Donc je vais commencer par le blanc. Parce que je l'ai pris parce que les gens ils me disaient qu'il était un petit peu épais. Je suis pas convaincue. Je l'ai pris en taille XS. Donc les bustiers, c'est vraiment mon kiff en été. Et c'est parti. Ok, donc le blanc est totalement transparent. Mais j'adore, je sais pas comment je vais faire pour le porter. Sûrement avec un maillot de bain en dessous. C'est le genre de haut que je pourrais porter à la plage sans souci. Mais je sais que dans ma ville je sortirai pas comme ça. Mais la qualité elle est super bien. Mais le blanc est transparent, on va voir pour le rouge. Et je l'ai pris en XS celui-là. Le rouge personnellement il me choque pas. Mais comme je vous ai dit, je suis assez ouverte d'esprit. Mais je suis mitigée quand même, mais la qualité est trop bien. Pourtant, je comprends pas pourquoi c'est transparent. À la limite, celui-là, le rouge, je peux le porter avec une brassière en dessous. Mais ça va, j'aime bien. On va essayer le vert qui est juste là et c'est parti. Et le vert. Ah, j'adore ce vert. Je le trouve super beau, donc une fois de plus, c'est un petit peu transparent. Mais moi, ça me choque pas tant que ça. Ok, on va passer à une grosse veste que j'ai pris. Je l'avais payé, je crois, genre 30€, un truc comme ça. Je la trouvais un peu chère. Je voulais trop une veste en jean noir depuis toujours. Comment ça s'ouvre? J'étais en train de tirer alors que ça se déboutonne comme ça. Je suis vraiment débile. Donc, c'est une veste en jean noir courte. Oh, j'aime trop. Je suis trop fan. J'adore. Oh, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Oh, je suis trop fan. Ça y est. Trop contente. Elle est vraiment trop belle. Alors elle est un peu courte au niveau des manches. Là en fait je suis en train d'essayer les trucs que je pensais que ça allait m'aller. Et vers la fin ça va être les jupes. Vous savez ce que c'est, les trucs fleuris. Là je tape dans les trucs que c'était des certitudes un peu par rapport à... J'arrive pas à fermer ce bouton. Ok, ensuite, ok, un body. Encore, pourquoi j'ai pris autant de body? Donc j'ai pris un body jaune avec les contours noirs. Pourquoi j'ai pris ça? Ça me fait tellement penser à un truc que j'ai déjà. Et à savoir, ce body s'ouvre en bas. Et le violet aussi, j'ai oublié de vous le montrer. Moi j'aime trop les bodys comme ça parce que pour aller aux toilettes, on n'est pas obligé de se retrouver à poil dans les endroits publics. Et je l'ai pris en taille XS. C'est parti. Alors,
J'adore ce body. Et on va profiter que j'essaye ce haut pour tester en fait quelque chose que j'ai acheté, qui est beaucoup utile puisque beaucoup de personnes sont fermées d'esprit et sont choquées par ceci. Donc c'est tout simplement des cache-tétons. Il y a deux types, il y a ce type là qui est rond, il y a ce type qui est en forme d'étoile. Donc je vais essayer le rond, un côté oui et un côté non, pour voir si on voit la différence. Et j'ai payé ça pas cher du tout, depuis super longtemps j'en voulais un. Ça marche pas, je trouve qu'on voit le rond. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on voit le rond là, du cache-téton. On dirait que je me suis mis une lingette. En même temps c'est quelque chose de naturel, je veux dire on n'est pas obligé de le cacher. On va passer à un vêtement blanc que j'ai pris. C'est un t-shirt blanc comme ça. Je trouve ça super beau mais à chaque fois j'ai l'impression que sur moi ça va faire bizarre. Ok, donc voilà pour le rendu. Celui-là il est vraiment transparent, en fait tous les vêtements sont transparents. Mais regardez comment c'est super beau, comment ça ressort super bien sur le bronzage. Je pensais pas que j'allais aimer cette forme de vêtement. Et en fait si, donc à voir une fois de plus avec les cache-tétons si ça passe. Mais je suis pas convaincue, bon, avec une brassière blanche à la limite. Mais c'est vraiment super super beau. Il est 15h30. Voilà, j'adore, grave. Ok, on va passer à ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, ok, ça je l'ai pris. Ça va pas m'aller. Je l'ai pris parce que je le mets en bleu que j'ai acheté chez Zaful et je me suis dit ça va peut-être être pareil. J'ai pris un taille S et j'aime bien. J'aime plutôt bien même. C'est vrai que je pense que je vais le porter un peu comme ça. Mais je trouve que c'est plutôt joli ce gris. Il est mignon. Et je suis surprise parce que quand je l'ai vu comme ça, ça va pas m'aller. Je me suis dit c'est mort. Ah coucou, dis coucou, dis regardez comment j'ai grandi. Dis coucou, dis oh gentil. Et normalement je suis pas très fan des manches comme ça, mais celui-là ça va. Et le tissu il est super agréable. Par contre je suis en train de mourir de chaud déjà. Un nouveau body. En mode je n'ai pas assez de body. Alors j'ai pris ce body là. Super beau. Donc à savoir celui-là il est pas ajustable, ce qui est dommage, mais je pense qu'il fait la bonne taille. On va voir. Vraiment en train de faire cette transition pourrie depuis tout à l'heure. J'adore ce body. On dirait qu'il m'a rendu plus fine. Je sais pas si c'est le motif, mais à savoir je trouve qu'il est plutôt court. C'est à dire que pour l'attacher j'ai dû vraiment tirer ça vers en bas. Genre là je peux à peine le remonter. Il est vraiment très court au niveau du ventre. Mais je trouve que le rendu il est super beau. Je pense pas qu'il soit transparent en vrai. Je pense pas, le tissu il est agréable, ça fait un peu tissu piscine. Alors il reste deux pyjamas et deux body de soirée. Ce soir j'ai un anniversaire, ça serait bien qu'il y ait un des body qui soit beige. Ça c'est le body de soirée. Donc c'est un body qui imite un peu une peau de serpent. Mais vous voyez c'est un peu ce motif comme ça. J'ai failli prendre une jupe comme ça. En tout cas ça va rendre super beau je pense. J'adore le rendu. Il est super super beau, genre pour sortir le soir et tout, il est super beau. Je pense vraiment pas qu'il soit transparent. Je vais essayer, voir, attendez. Je suis trop contente, il est pas transparent. Après c'est du noir, donc du noir généralement c'est pas transparent. Mais je suis trop fan, je pense que je vais mettre ça ce soir d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que je fais un haul sans maillot de bain. Mais je vous jure, le haul de Zaful, j'ai pris 6 maillots de bain. Donc il y aura la tonne de maillots de bain. Et celui-là il a coûté 6€ et pourtant la qualité elle est genre vraiment au top, 6€. Et tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'hab. Donc ensuite nous avons... Il est vraiment très 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 échancré. Je pense qu'il va falloir que je fasse un point. Et il s'ouvre en bas, tous les bodys s'ouvrent en bas. Donc c'est super cool. Ok, comme je vous ai dit, il est très très échancré. Donc je le savais, je l'avais vu dans les commentaires. Mais je le trouvais super mignon quand même. Et il est très très agréable vraiment. Ça en soirée, bon c'est vrai que si vous sautez un peu, il va partir un peu partout. Donc je pense qu'il faudra que je fasse un point juste là. Donc là le décolleté ça va, il est autorisable. Mais c'est vrai que là il ouvre jusqu'au ventre. Mais je le trouve trop beau. C'est un genre de haut que je cherchais et que je trouvais jamais au magasin. J'adore, j'adore, je suis trop fan. Ok, on va passer à un autre haut. Et celui-ci, lui c'est vraiment un crop top. Crop top, crop top, crop top. Mais je le trouvais trop mignon. Donc une fois de plus. Ah celui-là les bretelles elles sont ajustables au cas où. Vous pouvez les ajuster. Et celui-là les bretelles ne sont pas ajustables. Hop. Donc voilà pour le haut. Une fois de plus c'est un haut basique. Par contre je trouve qu'il serre beaucoup là. Et du coup ça fait une forme bizarre. Bonjour. Voilà pourquoi il faut acheter des fausses plantes avec ce chat. La bretelle elle sert pas à grand chose à part si... Je le descends mais du coup ça fait bizarre. Du coup je suis pas très convaincue. Je vais pas le renvoyer parce que je peux l'utiliser. Je pense que je vais plutôt couper les bretelles et l'utiliser en tant que bustier tout simplement. Pour le prix écoutez voilà rien de ouf. Il reste plus beaucoup de choses je vous promets. Une jupe. Qu'est-ce que ça va faire si je mets la jupe avec ça? La jupe il me faudrait avec un haut noir. J'en ai marre de moi. On va essayer cet ensemble. Et comme ça je garde le haut noir pour les autres jupes. C'est le même modèle. Imaginez il n'y a aucune des deux qui me va. Et du coup j'ai acheté deux jupes qui me vont pas.
Ah, j'aime bien la jupe, hein, mais c'est juste que là, je ressemble à... Elle est courte quand même, hein, mais j'aime bien. Donc ça, c'est un ensemble qui était à 10€. Donc j'étais là en mode, c'est vraiment pas cher. La jupe, j'adore. Par contre, le haut, il est tellement transparent. Je vais vous montrer à ce niveau-là. Regardez à quel point il est transparent. Voilà, ça va, il est très, 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 très transparent, le haut. Je vais mettre un t-shirt qui est pas transparent. Ça, c'est vraiment le haut passe-partout. Et on va voir la jupe, si c'est la même. Mais je pense que c'est exactement la même, les gars. La fente, elle est du même côté. Je suis trop bête. Et on va essayer. C'est la même jupe. C'est exactement la même. J'ai mis le rendu. Je pense que, ben, genre comme ça, je pourrais sortir. Tranquillou. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu courte, à savoir. Il reste plus que 3 articles. J'ai pris une robe. Giovanna, pourquoi t'as pris une robe? Ça te va pas? Ok. Ok, vous savez, bon problème avec les robes, mais voilà, je la trouve plutôt mignonne, je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors, de 1, je trouve que le décolleté, il est trop beau, genre j'adore comment ça tombe. De 2, elle est ajustable, donc trop bien. Et de 3, c'est pile poil la longueur, et je trouve qu'une fois de plus, genre ça resserre là. Voilà, à savoir, c'est une robe sans bouton, il y a juste ça qui tient la robe, il n'y a pas de bouton, c'est juste ça. Mais en tout cas, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Une jupe rouge, et ce truc de chez Romui, que je sais pas ce que c'est une robe blanche. C'est une robe blanche. Par contre, Romui, j'ai pas compris. C'est pas du tout une robe blanche. Qu'est-ce qu'il me prend? C'est un haut blanc que j'avais trop en espoir qu'il soit pas transparent. Il est comme ça. Et du coup, il vient de chez Romui. Why not? Ah, les gars, ça y est, j'ai mon coup de cœur. C'est le premier haut blanc qui n'est pas transparent et je le trouve trop beau, trop beau. Je crois que j'avais payé un petit peu cher celui-là. Voilà, c'est des vêtements comme ça qu'on veut. On peut le porter comme ça ou on peut le porter comme ça. Trop fin. La jupe rouge que j'ai un peu peur, je vais garder ce haut du coup. La jupe rouge, j'avais vu sur le TikTok d'une meuf comme quoi qu'elle taille un peu grande, donc j'ai un peu peur. C'est une jupe rouge fleurie comme ça, avec une ouverture sur le côté, un peu du même principe que l'autre. J'espère tellement qu'elle va pas m'aller large. Donc voilà le rendu, elle est un peu large. Elle est un peu large là, c'est dommage. J'ai vu des commentaires qui disaient qu'elle était large. Elle est large là. J'aime trop, je pense que c'est fait exprès que ce soit large, parce qu'il n'y a pas de logique que ce soit large là. Enfin, c'est du XS quand même. Alors, il nous reste 2 pyjamas. Est-ce que je pourrais les montrer? Les pyjamas sur Shein, ça me fait toujours peur. J'ai pris un qui est comme ça, donc un satin. Avec, je pourrais pas montrer celui-là, les gars, parce que c'est un petit peu transparent. Avec un haut comme ça. Et ça vient en plus avec une culotte avec. Donc la culotte, je faisais pas trop confiance parce que c'est en taille unique. Je pense pas que je vais l'utiliser pour dormir parce que je pense pas que ce soit confortable pour dormir. Je vais l'essayer et je vous le dirai. Hop, je vais vous montrer le pyjama, mais je vous montre pas avec le haut de base. Le short, c'est un short basique. Donc comme ça, il est quand même assez court. Mais si c'est pour chez vous et pas chez les autres, ça passe. Mais le short, il est super agréable par contre. Donc le haut, il est totalement en dentelle. Je pensais pas qu'il allait être confortable, mais il est très confortable. Mais voilà, l'ensemble, il est super beau. J'adore, j'ai envie de rester comme ça déjà. Et ensuite, j'ai pris un autre qui était plus en pyjama. Par exemple, si je vais chez mon copain et qu'il y a ses parents et tout, c'est pas un truc choquant. C'est un short comme ça. Donc celui-là, je vais essayer, je vais vous le montrer. C'était en taille unique également. Il est court, mais à savoir, il n'est pas taille haute. On va passer du coup aux accessoires. Et je me change et je suis avec vous. À savoir, les accessoires sur Shein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par la première chose totalement logique que j'ai pris. J'ai pris des plantes. J'ai payé ça 2€ et c'est une plante longue comme ça. Le verre, il est très beau. Ça fait pas un verre trop fake. Des accessoires de salle de bain et cuisine. 4 brosses à dents comme ça. Quand je fais des masques au curcuma, je crois, ça me... Ma brosse à dents est devient jaune. Comme ça, je pourrais garder une brosse à dents que pour les masques. Au lieu d'utiliser ma brosse à dents électrique pour ça, parce que j'ai vraiment dû changer l'embout. Ensuite, j'ai pris. Donc, en fait, c'est tout simplement un petit truc que vous accrochez comme ça pour mettre l'éponge dedans. Et ça vient avec une petite ventouse au cas où si vous voulez l'accrocher. Alors, j'ai pris ceci. Donc, c'est un porte-savon. Et en fait, il me fallait un porte-savon rond pour mon savon pin-up secrète. Quand je vais chez mon copain, à chaque fois, je le prends pas. Et du coup, ça me saoule parce que j'ai pas comment le porter. À chaque fois, je le mets dans un Tupperware. Il m'en fallait un. Et en fait, je crois que je me suis trompée. J'ai vu l'image et l'image, ça avait l'air d'être rond. Mais l'intérieur, je pense pas que mon savon y rentre. Je pensais à le couper carrément. J'ai pris ceci. C'est trop mignon si ça marche. J'ai pris un petit rangement pour les AirPods et c'est écrit No Bad Vibes. C'est trop mignon. Et ensuite, pour finir, ceci. Donc, c'est tout simplement pour quand on se démaquille, pour mettre sur les cheveux. Donc, je l'ai payé 3€, c'est quelque chose comme ça. Trop pratique. Et il est noir. Donc, en plus, par exemple, si on le tâche et à la machine à laver, ça part pas. Mais c'est pas grave parce que c'est du noir. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Beijo, ciao.